Bonjour, salut tout le monde. Je suis à Venise, nous sommes dimanche. Je suis au Carlo Goldoni Monument que vous voyez derrière moi. Carlo Goldoni était un écrivain de pièces de théâtre, né en 1707 à Venise. Dans sa maison, Cinzanini, c'était un palace gothique du 15e siècle. Il a exprimé très tôt sa passion pour le théâtre et il a composé en plusieurs genres, en drame, en tragédie, en poésie, en satire, en livret pour des opéras musicales. Ses chefs-d'œuvre sont en anglais, The Coffee Shop, Le Magasin du Café, The Antiquary in Family, La Famille d'Antiquaire, The Liar, Le Menteur. En 1762, il va à Paris et là il vit entre Paris et Versailles. En 1771, il écrit ses mémoires et en 1793, il décède à Paris dans la pauvreté la plus totale. En 1931, le comte Piero Foscari, Aldo Rava, Antonio Pellegrini lègue sa maison Cinzanini à la ville de Venise pour en faire le Goldini Musée. J'étais au musée, c'est bien, c'est très bien organisé, ça vaut la peine d'y aller, c'est bien, oui. Voilà, c'est une belle journée, je continue, bye bye.